نعم في السيونس اللي خدمنا فيها التدي معناتها من الاول ما Voilà, donc la séance dernière, j'étais في الفاك وما جا حتى حد في الجروب هذايا الاخراني دونك ما جا حتى حد دونك جو سي اللي فما برشا فيكم يحضر مع دوتر جروب داكوغ بي جو في فيغ ساعة ليكزارسيس 4 نعم اي الاكثرية يجيو في لي جروب نتاع جماعة الاربعة Dans tous les cas, en attendant, les amis, nous allons faire la correction de l'exercice 4, 5, 6 et les matières de mouche. On va dire que je reviens rapidement à l'exercice 1, 2, 3. On va dire que je déjà attends pour comme la correction donc à le classroom, d'accord? On t'a dit de quoi? Voilà, donc, quand fait l'exercice 3, donc, on a travaillé sur la notation pointeur en utilisant le nom de tableau lui-même. Donc, ici, on va considérer un pointeur qui pointe sur un tableau, d'accord? Et on va utiliser les deux notations, qu'il soit le pointeur qui pointe sur le tableau, qu'il soit le nom du tableau qui lui-même est un pointeur constant, d'accord? Donc, je rappelle, dans le cours, on a dit, lorsque je déclare un tableau, donc A, l'identificateur donc de ma variable de type tableau, c'est A, donc j'ai automatiquement donc déclaré un pointeur constant, donc c'est-à-dire A, la variable A, elle contient l'adresse du premier élément du tableau. D'accord? Donc, si je fais écrire A, ça va m'afficher l'adresse du premier élément. D'accord? Donc, je dis bien l'adresse. Hein? Ici, je déclarais P, un pointeur, sur entier. Pourquoi sur entier? Parce que les éléments de mon tableau A, ce sont des entiers. Donc, AP, j'ai affecté A. Donc, j'ai affecté A. Pourquoi A? Ce n'est pas l'adresse de A. Parce que, je répète, A, il ne s'agit pas d'une simple variable pour écrire P reçoit adresse de A. Il s'agit d'un tableau. Donc, automatiquement, le nom d'un tableau est un pointeur qui contient l'adresse de la première cellule. Donc, P reçoit adresse de A. D'accord? Automatiquement, Manata, ça se fait. Donc, je fais P reçoit A. Déjà, A, elle contient l'adresse du premier élément, d'accord? Donc, P, elle pointe sur le premier élément de mon tableau. Elle est à l'adresse de l'élément A de 1. Donc, quelle valeur fournissent ces expressions? P chapeau plus 2. Vous remarquez, l'expression suivante, c'est P plus 2 chapeau. Donc, il faut faire attention ici entre P chapeau plus 2 et P plus 2, le tout chapeau. D'accord? Il faut faire la différence. Ici, P chapeau plus 2. Donc, je veux dire par P chapeau, donc c'est la valeur de la variable pointée par P. Donc, P, lorsque je dis P, mon pointeur P, il pointe sur le premier élément. Donc, la valeur de la variable pointée, c'est 12. 12 plus 2, c'est en fait 14. D'accord? C'est clair? Donc, P plus 2, le tout chapeau. Maintenant, j'ai P plus 2 entre parenthèses. Donc, P plus 2, en fait, c'est équivalent d'écrire 1 de 3. Donc, c'est-à-dire l'élément 3 de mon tableau. Et même si je ne raisonne pas de cette façon, donc P plus 2, c'est en fait A de 3, je peux raisonner de la façon suivante. Mon pointeur P, il pointe ici. Donc, le pointeur P plus 1, il va pointer sur l'élément suivant et le pointeur P plus 2, il va pointer ici. Puisque mon pointeur P plus 2, il pointe ici, la valeur de la variable pointée par mon pointeur P plus 2, donc c'est 34. D'accord? Donc, P plus 1 maintenant.
P plus 1, donc ici, je ne parle pas de valeur parce que je n'ai pas de chapeau. Donc, puisque je n'ai pas de chapeau donc, et je ne parle pas de valeur, je parle donc d'adresse. Donc, P plus 1, c'est... Donc, ça, c'est P plus 1. Donc, en fait, P plus 1, c'est l'adresse de 1, de 2. D'accord? Donc, ça, c'est P plus 1. P plus 1, c'est adresse de A de 2. D'accord? Donc, c'est la valeur, c'est l'adresse de A de 2. Maintenant, je fais l'adresse de A de 4 plus 1. Puisque je suis en train de parler d'adresse, le fait, donc, d'ajouter 1, donc, je veux dire l'adresse de A de 5. Pourquoi? Parce que adresse de A de 4, en fait, c'est P plus 3. D'accord? Donc, adresse de A de 4, 1, 2, 3, c'est A de 4. Donc, c'est P plus 1, P plus 2 et P plus 3. Plus 1, c'est P plus 4. D'accord? Donc, c'est l'adresse de A de 5. Donc, c'est l'élément suivant. L'adresse de A de 4, hein? Donc, c'est l'adresse de l'élément suivant. Donc, c'est adresse de A de 5. Maintenant, j'ai A plus 3. Donc, ici, j'ai utilisé le nom du tableau en tant que pointeur. Donc, je dis que le nom du tableau A, il correspond à l'adresse du premier élément. A plus 1, ici. A plus 2, là. A plus 3, c'est celui-là. Donc, A plus 3, mon pointeur, il pointe ici. C'est l'adresse de A, de 1, de 2, de 3, de 4. Donc, c'est l'adresse de 1, de 4. D'accord? Et j'ai P plus P chapeau moins 10. Donc, dans cette instruction ou dans cette expression, donc j'ai P, mon pointeur P, donc cette instruction elle est équivalente à écrire P plus, je vais évaluer cette expression entre parenthèses, c'est P chapeau moins 10. Qu'est-ce que ça veut dire P chapeau moins 10? Donc P chapeau, c'est la valeur de la variable pointée par P, qui est 12, moins 10, c'est 2. C'est équivalent à écrire P plus 2. D'accord? Donc, P plus 2, donc, c'est l'adresse de A de 3. D'accord? Et maintenant, P plus 5, le tout chapeau. Donc, lorsque je parle de P plus 5, le tout chapeau, donc, je dois trouver mon pointeur là où il pointe. Donc, lorsque je parle de P plus 5, c'est automatiquement A de 6. Donc, la valeur, c'est I plus 1. D'accord? C'est A de 6. Mais je vais le faire d'une autre manière. Donc, c'est P, P plus 1, P plus 2, P plus 3, P plus 4, P plus 5. P plus 5, donc, mon pointeur, il pointe ici. La valeur de la variable pointée par mon pointeur, c'est en fait 67. Ici, et si je vais donc vérifier, donc c'est A de 6, A de 1, A de 2, 3, 4, 5 et 6. C'est A de 6 en fait. D'accord? Donc, c'est bon, c'est clair. Donc ici, j'espère que l'objectif est atteint. Donc, c'est de manipuler donc les trucs P, P chapeau, faire la différence entre lorsque je parle d'une adresse et lorsque je parle d'une valeur d'une variable pointée. D'accord? Il faut faire donc la différence. Il faut aussi maîtriser l'utilisation des pointeurs sur tableau. Autre chose, en fait, si jamais je fais une instruction, par exemple, P, donc, reçoit A plus 3, par exemple. P reçoit A plus 3. C'est A, A plus 1, A plus 2, A plus 3. Donc, P, j'affecte à P A plus 3, c'est-à-dire, donc, mon P,
il pointe ici. D'accord? Si mon P, il pointe ici, P moins 1, le taux chapeau, ça sera 34. P moins 1, le taux chapeau, c'est 34. Ou je peux mettre, par exemple, P moins 2, le taux chapeau. Donc, c'est 23. D'accord? Ou, par exemple, P moins 1. P moins 1, donc, c'est l'adresse donc, de l'élément 3. D'accord? Donc, pour les pointeurs sur tableau, donc, je peux avoir dans des expressions P moins 1, P moins quelque chose, P moins entier. Donc, une soustraction. Une soustraction, c'est-à-dire, ce sont les éléments à gauche de la position actuelle de mon pointeur. D'accord? Voilà. Donc, c'est l'exercice 4. Je passe à l'exercice 5. Donc, ce sont des exercices simples. Donc, l'objectif du TD3, c'est de maîtriser la manipulation des pointeurs. D'accord? Pour qu'on puisse passer aux listes chaînées. Donc, maintenant, dans l'exercice 5, on va considérer l'algorithme suivant. Donc, algorithme inconnu. Je vais déclarer des variables. P1, P2, P3, ce sont des pointeurs sur réel. Et puis, début, je vais allouer P1. Qu'est-ce que ça veut dire allouer P1? Donc, j'explique déjà expression par expression, voilà, instruction par instruction. Si j'exécute ce programme, donc ici, j'ai var. Dans la partie variable, je déclare tout ce qui est variable statique. Donc, fait l'exécution en trouvant la partie variable, déclaration de variable. Donc, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va allouer de l'espace mémoire statiquement à nos variables déclarées. Ici, j'ai P1, P2, P3. Donc, dans la mémoire, je vais trouver trois variables qui sont P1, P2, P3. Et chacune, elle se trouve à une adresse mémoire. D'accord? Donc, mais le contenu ou la valeur de mes variables P1, P2, P3, jusque-là, ne sont pas connues. Donc, j'ai aucune valeur pour P1, P2, P3. Donc, en commençant notre algorithme, je vais faire allouer P1. Qu'est-ce que ça veut dire allouer P1? Je vais allouer de l'espace mémoire, donc à quelque part de la mémoire, là où je trouve de l'espace, donc en utilisant les algorithmes de gestion de mémoire, d'accord? Donc, le système d'exploitation, il va allouer de l'espace mémoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire allouer P1? Allouer de l'espace mémoire qui peut contenir un réel, puisque mon pointeur P1, c'est un pointeur sur réel. Donc, je suppose que mon système d'exploitation, donc, il alloue 4 octets pour chaque réel. D'accord? Donc, il va chercher dans la mémoire. Là où il va trouver, donc, 4 octets, il va les allouer. Il va les allouer. Et il va, donc, renvoyer ou retourner l'adresse mémoire de cet espace mémoire alloué à P1. Donc, maintenant, la variable P1 qui existe dans la mémoire, donc, sa valeur, c'est l'adresse retournée par cette instruction. Donc, et en fait, cette adresse, c'est l'adresse du premier octet, donc alloué pour les ici, puisqu'on a alloué 4 octets. Certainement, on ne va pas renvoyer 4 adresses, puisque l'adressage donc se fait donc pour chaque octet. Donc, on va retourner l'adresse du premier octet, d'accord? Donc, du premier bloc. Ici, P1, elle a la valeur, l'adresse de l'espace mémoire alloué à P1. Donc, je vais écrire, saisir un réel. Je vais lire à partir du clavier P1 chapeau. Donc, P1 chapeau, en fait, c'est la valeur que je vais lire à partir du clavier. Je vais la mettre comme valeur dans l'espace mémoire alloué dans son adresse. C'est la valeur de P1. Donc ici, je n'ai pas de nom pour mon espace que je viens d'allouer. Je n'ai pas de nom parce que ici, l'allocation n'est pas faite statiquement. J'ai alloué dans le programme. Donc, l'allocation ici a été faite dynamiquement. Donc, mon espace que je viens d'allouer, il n'a pas de nom. Mais son adresse, elle est la valeur de P1. C'est pour ça, pour parler de la valeur ou du contenu de cet espace mémoire, je parle de P1 chapeau parce qu'il est pointé par P1. D'accord? P1
P1, il pointe sur cet espace mémoire. Donc, c'est la valeur de la variable pointée. Donc, de la même façon, je vais allouer P2. Donc, je vais allouer un espace mémoire nécessaire pour un réel, soi-disant 4 octets, et renvoyer l'adresse mémoire au pointeur P2. D'accord? Et lire un réel et mettre la valeur dans cet espace mémoire. Et puis, on va écrire la valeur de P1, c'est P1 chapeau, la valeur de P2 est P2 chapeau. D'accord? On va allouer encore un troisième espace P3 et on va renvoyer son adresse au pointeur P3. P3 chapeau va recevoir P1 chapeau. P1 chapeau va recevoir P2 chapeau et P2 chapeau va recevoir P3 chapeau. Et puis, on va écrire la valeur de P1, c'est P1 chapeau et la valeur de P2, c'est P2 chapeau. On va libérer P1, libérer P2 et libérer P3. Pourquoi faire ces trois instructions? En fait, parce que dans le cours, on a vu, lorsque on fait la location dynamique d'un espace mémoire, dès qu'on n'aura plus besoin de cet espace mémoire, on doit le libérer. D'accord? Donc ici, même si j'écris pas ces trois instructions, ça pose pas de problème parce que en fait, c'est la fin de notre programme. D'accord? Donc et les espaces mémoire alloués dynamiquement seront détruits automatiquement à la fin du programme. Mais juste pour respecter donc notre cours en déclarant un espace mémoire dynamiquement. Dès qu'on n'a plus besoin de cet espace, on le détruit. J'ai fait libérer P1, P2 et P3. D'accord? Donc, la question ici, donc, pour nous, cet algorithme, il est inconnu. Il nous demande d'en déduire le rôle de cet algorithme. Donc, qu'est-ce qu'il fait cet algorithme? Donc, ça c'est clair que l'algorithme, il fait la location dynamique de la mémoire. Ce n'est pas une allocation statique. Un. Deux, pourquoi faire? Pour faire la lecture de deux valeurs réelles et de les afficher avant et après permutation. C'est ce qui fait cet exercice. Donc, mon exercice ou cet algorithme. Donc, cet algorithme permet la saisie et l'affichage de deux réels avant et après permutation, d'accord, en utilisant l'allocation dynamique de la mémoire. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Donc, ici, deux choses sont importantes. Donc, pour répondre à ce genre de questions, qu'est-ce qu'il fait? Il fait donc la saisie et l'affichage avant et après permutation. D'accord? Donc, c'est la saisie, l'affichage avant et après et permutation. Donc, il fait la permutation. Comment? En utilisant l'allocation dynamique de la mémoire. Donc, ici, peut-être, vous vous posez la question. Donc, est-ce que c'est vaut mieux utiliser l'allocation dynamique ou l'allocation statique? Donc, je vous réponds, dans ce genre d'exercice, si j'aurais le choix, j'aurais fait l'allocation statique. Donc, si jamais j'étais dans une évaluation et j'ai cet exercice, j'ai l'énoncé suivant, en fait, écrire un algorithme qui permet la saisie, l'affichage, la saisie de deux réels, l'affichage avant et après leur permutation. Donc, directement, je vais choisir d'utiliser la version statique de l'allocation de la mémoire. Pourquoi? C'est plus optimal et c'est plus facile. Donc, je vais déclarer A, B et une variable AUX qui sont des réels. D'accord? Donc, si je vais parler du côté donc consommation de la mémoire, j'ai déclaré trois variables statiquement, donc je vais trouver dans la mémoire trois variables de type réel. Donc j'aurai, par exemple, si le réel va me coûter 4 octets, je vais donc utiliser 12 octets dans la mémoire. D'accord? Et je vais lire, écrire, saisir un réel, lire A, saisir un réel, lire B et
afficher A et B, et puis je vais les permuter en utilisant la variable auxiliaire, je vais faire l'affichage. Et tout est beau, tout est joli. D'accord? Et c'est correct encore. Par contre, si je vais travailler avec la méthode allocation dynamique, donc je vais utiliser trois octets pour ces variables spéciales qui sont des variables pointeurs, P1, P2 et P3. Et puis, en allouant les espaces mémoire, donc je vais j'ai alloué de l'espace mémoire pour des réels. Donc, je vais consommer encore 12 octets. Et comme ça, donc j'ai utilisé 15 octets. Voilà, donc j'ai utilisé plus d'espace mémoire que la location statique. Donc, la question que se pose ici, mais pourquoi cet exercice? Donc, quel est l'objectif de cet exercice? Donc, ici, l'objectif pur de cet exercice, c'est de comprendre la location dynamique. Donc, à travers un petit exemple, là où on alloue de l'espace, on utilise l'espace alloué, donc en utilisant P1 chapeau, P2 chapeau, P3 chapeau, et la destruction d'un espace alloué dynamiquement. C'est ça l'objectif de cet exercice. Et aussi, si dans une évaluation, dans un exercice, il me demande donc de faire la saisie de deux réels, d'assurer l'affichage avant et après permutation, en utilisant donc, ici, il m'impose dans la consigne de l'exercice d'utiliser la location dynamique, alors là, je serai obligée, en fait, donc, d'utiliser la location dynamique. Donc, je serai capable de le faire en cette version, vu que c'est bon, je maîtrise la location dynamique. D'accord? Madame. Voilà. Madame. Oui. Bref, juste la location statique, on est juste, tu déclares, Michel, A, B ou l'auxiliaire réel, ou كيف تخدم في الوسط وقتها tu déclares le pointeur. Lele, madame, j'ai choisi la version statique, je vais travailler avec statique, mais je ne déclare pas le pointeur. Ou كي تحب معناتها هذيك نحكي على معناتها juste على côté allocation de la mémoire. Je vais faire des versions statiques de A jusqu'à Z. Quand tu veux faire un pointeur ou un variable statique, donc je dois déclarer mes variables A ou B ou auxiliaires ou déclarer mes des variables pointeurs P1, P2, P3. D'accord? Quand je vais faire un alloué P1, toi, les P1 reçoivent l'adresse de A. Femme-t-elle? هذاك كي نقول لك اتيليزي معناتها باش تخدم باللوكاسيون ستاتيك اي اتيليزي دي بوينتور معناتها باش نعمل الانيسياليزاسيون بار دي ادريس دو فاريابل سامبل اللي هما دو تي بري مي هوني سي لوكاسيون ديناميك كاريمون وعلاش هذا الكل ان فيت تو سا جوست بور ميتريزي لا نوسيون د لوكاسيون ديناميك pour l'utiliser dans les listes chaînées. Dans les listes chaînées, si vous vous rappelez, à chaque fois on a besoin d'ajouter, par exemple, un élément, une liste, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'allocation dynamique pour une nouvelle cellule. On bat de cellule EDK, on lui assure le chaînage. Donc, on trouve une liste simple, juste suivant THQN. D'accord, ou les qbalha, donc les mnamlou mise à jour. Quand il s'agit d'une liste chaînée, donc dans les deux sens, double, donc on doit faire la mise à jour, mta chaînage, mta le suivant ou le précédent. D'accord, mais à chaque fois, je vais ajouter une cellule, donc je dois le faire d'une manière dynamique. Donc, j'utilise un pointeur et j'alloue de l'espace mémoire pour ce pointeur. Donc, et je travaille avec. D'accord? D'accord, merci. De rien. On passe à l'exercice 6. Donc, l'exercice 6, en fait, l'objectif, c'est de manipuler les pointeurs sur enregistrement. Et déjà, dans les listes chaînées, nos cellules, ce sont des enregistrements. Donc, voilà, ce sont des enregistrements et on est en train de travailler donc sur des pointeurs sur enregistrement. Lorsque je déclare un pointeur nouveau, nouveau cell, donc dans mon cours, la new cell,
NC, nouvelle cellule. Donc, c'est un pointeur sur cellule ou cellule elle-même, c'est un enregistrement. D'accord? Donc, ici, on va définir un enregistrement qui permet d'identifier une personne. Une personne, elle est identifiée par un ensemble d'attributs, l'IOMA CIN, nom, prénom et date de naissance. D'accord? Puis, il me demande, en utilisant la notation pointeur, donc ici, il m'oblige, si jamais il ne m'oblige pas, je ne vais pas utiliser la notation pointeur, certainement, ça sera plus simple, d'accord? Mais ici, il m'oblige. En utilisant la notation pointeur, on va écrire un algorithme qui permet de saisir les informations d'une personne et de les afficher. Donc, je vais commencer par écrire algorithme, pointeur sur enregistrement, d'accord? Je dois déclarer dans la partie type les enregistrements nécessaires. Donc, je vais commencer par l'enregistrement date, enregistrement. Donc, l'enregistrement date, pour l'enregistrement date, j'aurai besoin de trois champs, J, mois et année, qui sont des entiers. Et un enregistrement. Et puis, j'aurai besoin aussi de l'enregistrement personne, qui est enregistrement, et dans les champs sont donc CIN. Entier, nom et prénom, des chaînes de caractères, par exemple de 15 caractères ou de 20 caractères ou de 30 caractères maximum, et DN, c'est une date, son type, date de naissance, et fin enregistrement. Tout ça, on le connaît déjà. Maintenant, dans la partie variable, je vais déclarer une variable P qui est de type personne. Donc, c'est une variable qui est déclarée d'une manière statique. Donc, en arrivant à ce stade, à cette instruction lors de l'exécution, qu'est-ce qu'il va se passer? Donc, dans la mémoire centrale, donc le système d'exploitation, il va allouer le nombre d'octets nécessaires. Donc, on va calculer, par exemple, le nombre d'octets nécessaires. Donc, pour personne, donc pour CIN, c'est entier, je vais supposer que l'entier a besoin de 2 octets et réel, bon, j'ai pas de réel, donc entier 2 octets. Et pour les caractères, chaque caractère a besoin d'un octet. Hein. Donc, ici, on a 2 octets, nom et prénom, chacune donc de ces chaînes a besoin de 15 octets. Donc, j'ai 30 plus 2, 32. Et date, c'est 3 entiers, donc c'est 6. 6 plus 32, 38. Donc, ici, en déclarant P, de type personne, le système d'exploitation, il va chercher dans la mémoire pour trouver 38 octets contigus. D'accord? Donc, il va allouer l'espace mémoire pour P. L'identificateur de l'espace mémoire, donc P, il est identifié par une adresse mémoire et le contenu de cette adresse, de cet espace alloué, donc, je sais qu'on sait, et un ou non, prénom ou date de naissance, mais jusque-là, elle est vide parce que je n'ai pas encore fait la saisie de ces éléments. J'ai préparé uniquement l'espace mémoire nécessaire. Et puis, dans la partie variable, je vais déclarer aussi une variable PP de type pointeur sur personne. Donc, je vous rappelle qu'un pointeur, il peut pointer sur n'importe quel type, d'accord, déclaré. Comme il peut pointer sur des types simples, genre entier, réel, chaîne, je ne sais pas quoi, il peut pointer sur un type déclaré qui est personne. Donc, maintenant, pour moi, personne, c'est un type déclaré. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau mémoire? Donc, le système d'exploitation, en exécutant cette instruction, il va chercher dans la mémoire un espace mémoire, un octet pour cette variable de type pointeur. Donc, cette variable PP, maintenant, elle est là. Elle est dans la mémoire, elle a une adresse mémoire pour elle
elle a un identifiant qui s'appelle PP et sa valeur, elle est vide. Pourquoi sa valeur, elle est vide? Parce que jusque-là, mon PP, il pointe sur rien. D'accord? Début de l'algorithme, maintenant, je vais tout d'abord affecter une valeur à PP. Quelle est la valeur de PP? C'est l'adresse de P. D'accord? Donc, dans l'espace mémoire, dans la mémoire, j'ai un espace mémoire alloué pour P, ma variable P. Donc, certainement, puisque j'ai un espace mémoire alloué à une variable, il a une adresse mémoire. Donc, je vais mettre cette adresse mémoire dans PP. Et à partir de cette instruction, je peux dire que PP, il pointe sur P. C'est-à-dire, mon pointeur PP, il pointe sur un enregistrement qui s'appelle P, une personne. Et à partir de cette instruction, je vais utiliser la notation pointeur. Donc, la notation pointeur, donc je vais écrire, je vais faire la saisie des informations d'une personne. Hein. Donc, écrire, saisir, numéro CIN. Donc, pour la saisie, je vais mettre lire. Donc, puisque dans la notation ordinaire, j'utilise le nom de l'enregistrement point. Donc, le nom de ma variable point le champ, d'accord? Par exemple, p.cin. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il va différer en utilisant la notation pointeur? P. Donc, ma variable p, je ne vais plus l'utiliser. Je vais la référencer par le pointeur qui pointe sur elle. Donc, c'est pp chapeau, d'accord? Donc, c'est pp chapeau.cin. Et dans le cours, on a dit on peut aussi utiliser la notation lire étoile pp.cin. D'accord? Quand on peut utiliser une autre notation qui est lire pp flèche, mais cette flèche, donc elle est de gauche à droite, elle n'est pas la flèche d'affectation, hein? PPCIN. Donc, toutes ces notations sont équivalentes. On peut utiliser l'une ou l'autre. Mais généralement, on utilise celle-là en ASD et celle-là. Ce sont les plus utilisées. Et dans notre cours, donc, on a continué à travailler avec cette notation chapeau. Même dans le chapitre listiné, on a travaillé avec la notation chapeau. D'accord? Mais toutes les trois sont juste. Donc, de même, puisque on n'a pas trop de temps, donc je vais faire du copier-coller. Donc, parce que les autres, c'est de la même façon, on va les faire. Hein. Donc, voilà, je vais faire copier-coller et voilà, on va donc relire ça. Donc, on est arrivé là, on a lu le champ CIN donc de ma personne en utilisant la notation pointeur. Puis, je vais mettre écrire saisir nom et prénom. Donc, lire ppchapeau.nom, virgule ppchapeau.prénom. Donc, je suis en train de lire deux variables donc avec une même instruction. Et puis, je vais mettre écrire saisir date de naissance. Ici, pour lire la date de naissance, je vais lire ppchapeau.dn.j. Donc, je ne peux pas lire directement dn. Dn parce qu'elle-même, c'est un enregistrement. Donc, elle est composée encore de trois attributs. Donc, ppchapeau.dn.j, virgule ppchapeau.dn.m, virgule ppchapeau.dn.1. Donc, en fait, j'ai assuré la lecture de mes trois attributs, les hommages jour ou mois et année, en une seule instruction. Comme je peux le faire, donc, séparément, hein, lire ppchapeau.dn.j, lire ppchapeau.dn.m et lire ppchapeau.dn.1. Point A. Madame, donc, oui. D'accord. Et puis, on va
pour assurer l'affichage d'une personne en utilisant donc en utilisant la notation pointeur, je vais écrire CIN égale ppchapeau.cin, écrire nom et prénom, donc ppchapeau.nom, Rouni, j'insère un espace et ppchapeau.prénom. Et on va écrire la date de naissance de point ppchapeau.dn.j slash point virgule ppchapeau.dn.m virgule slash comme message virgule ppchapeau.dn.a. Donc, et comme ça, on a assuré l'affichage de notre personne en utilisant la notation chapeau. D'accord? Ça va, vous y êtes? Donc, on a terminé notre TD 3. Donc, on a terminé notre TD 3. Donc, voilà. Donc, je répète, l'objectif de ce TD, c'est de maîtriser la manipulation des pointeurs et de comprendre qu'est-ce qu'un pointeur, qu'est-ce qu'une variable pointée par un pointeur. Il faut comprendre qu'on peut initialiser un pointeur par une variable simple, comme par un tableau, comme par une allocation dynamique. Donc, on alloue un espace et on l'affecte l'adresse correspondante en utilisant donc la méthode ou la fonction allouée. D'accord? Donc, c'est ça l'objectif de notre TD. Donc, normalement, suite à ce TD, vous maîtrisez maintenant bien les pointeurs et comme ça, on peut passer au TD 4 qui porte sur les listes chaînées. D'accord? Donc, ceux qui ont vu donc, la première partie du TD, donc, ils peuvent quitter. Ceux qui n'ont pas donc, suivi la première partie de notre TD, je vais le faire maintenant rapidement. Madame. Oui. Madame, il y a une correction dans le classroom. Hamza, je vais vous donner un peu. La correction, tu as dit. Et la correction, dès que vous êtes dans le groupe, dès que vous êtes dans le groupe, je vais la correction et je vais vous mettre dans le classroom. Ok, merci. Allez-y, B. Donc, on va revenir sur donc sur la correction des exercices, des premiers exercices. Donc, les pointeurs. Voilà. D'accord. Donc, l'exercice 1. Donc, j'ai un tableau qui contient, mais je vous montre la version, votre version. Voilà. Donc, j'ai un tableau qui contient des instructions, il me demande donc de remplir la valeur de A, la valeur de B, la valeur de C, la valeur de P1, P1 chapeau, P2 et P2 chapeau, suite à chacune de ces instructions. D'accord? Voilà. Donc ici, on a instruction A, B, C, ce sont des entiers. P1, P2, ce sont des pointeurs sur entiers. Donc ici, suite à ces instructions, donc, je ne connais pas la valeur ni de A, ni de B, ni de C, ni de P, P chapeau, je ne connais rien. D'accord. Maintenant, suite à ces instructions, A reçoit 1, B, je lui affecte 2 et C, je lui affecte 3. Qu'est-ce que j'ai? Donc, A, maintenant, je connais sa valeur qui est 1, B, c'est 2, c'est 3. Mais jusque-là, P1 et P2 ne pointent sur rien. Donc, je ne connais pas donc leur valeur. C'est normal puisque P1 et P2 ne pointent sur rien, je ne peux pas connaître la valeur de la variable pointée par ces pointeurs. Maintenant,
P1, je lui affecte l'adresse de A. Donc, qu'est-ce que j'ai fait suite à cette instruction? Donc, P1, il pointe sur A. Donc, ici, je n'ai pas modifié mes variables A, B ici. Donc, suite à cette instruction, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, maintenant, P1, il a la valeur adresse de A. Donc, il pointe sur 1. Donc, c'est normal, puisque A, P1, il pointe sur A. P1 chapeau, c'est en fait la valeur de A, qui est 1. Et P2, je lui affecte adresse de C. Donc, P2, il pointe sur C. Et P2 chapeau, c'est 3. C'est la valeur de la variable pointée par P2. P2, il pointe sur C. Donc, la variable pointée, la valeur de C, 3. OK? Maintenant, P1 chapeau reçoit P2 chapeau plus 2. En fait, lorsque je parle de P1 chapeau, c'est qui P1 chapeau? Je dois chercher P1, il pointe sur A. Donc, P1 chapeau, c'est donc la variable A. Je vais modifier la valeur de la variable A. Par quelle valeur? La valeur de P2 chapeau. Donc, P2, il pointe sur C. Donc, la valeur, c'est 3. P2 chapeau, c'est 3 plus 2. Donc, maintenant, P1 chapeau, qui est la variable A, elle vaut 5. Donc, je vais modifier la valeur de A et je vais modifier P1 chapeau. D'accord? Donc, P1 chapeau et A, on parle en fait de la même variable. Et le reste, il reste inchangé. Le reste reste inchangé. D'accord? Maintenant, P1 reçoit P2. Qu'est-ce que ça veut dire, P1 reçoit P2? C'est-à-dire, P1, maintenant, il est égal à adresse de C. Il n'est plus adresse de A. Donc, il a pris la valeur de P2, qui est adresse de C. D'accord? Donc, puisque maintenant, mon P1 devient adresse de C, donc je dis que P1, il pointe sur C. D'accord? Il pointe plus sur A. Donc, mon P1, il pointe sur C. Donc, du coup, la valeur de P1 chapeau, elle va changer. Maintenant, la valeur, c'est 3. Donc, P1 chapeau, je répète, c'est-à-dire la valeur de la variable pointée par P1. Donc, maintenant, c'est 3 qui est la valeur de C, parce que la variable pointée par P1, c'est C maintenant. D'accord? Ici, suite à cette instruction P2, je lui affecte adresse de B. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il va changer dans ce tableau? Ça va changer P2. La valeur, elle était adresse de C, elle devient adresse de B, parce que P2, donc je lui ai affecté adresse de B, et c'est normal, puisque maintenant, P2, il pointe sur B. P2 chapeau, elle devient la valeur de B, donc c'est la valeur de la variable pointée par P2, qui est B. C'est 2, ce n'est plus 3. Donc, parce que maintenant, P2, il pointe sur la variable B. Maintenant, P2 chapeau. Lorsque je parle de P2 chapeau, je cherche P2, il pointe sur qui? Il pointe sur B. Donc, je parle de B, de la variable B. Donc, P2 chapeau, elle va recevoir P2 chapeau moins 2. Donc, P2 chapeau, c'est la valeur de la variable B, qui est 2. 2 au moins 2, c'est 0. Donc, suite à cette instruction, les colonnes qui vont changer, c'est B, elle devient 0. Et certainement, P2 chapeau qui devient aussi 0 parce qu'on parle de la même chose. B ou P2 chapeau, c'est la même chose. D'accord? Ça, c'est l'exercice 1. Et l'objectif, c'était de maîtriser ici donc la manipulation des pointeurs initialisés par des adresses de variables simples. Donc, ici, on est capable donc de comprendre P1, il pointe sur A, puis il a pointé sur C, P2, il a pointé sur C, puis il a pointé sur B. Donc, et entre autres, on a bien compris que lorsque je parle de P2, je parle d'un pointeur, donc je parle d'une adresse. Lorsque je parle de chapeau, je parle d'une variable, d'une valeur d'une variable pointée. D'accord? C'est clair? On peut passer? Oui, madame. Oui, madame. Voilà, donc l'exercice 2 maintenant.
Donc, l'exercice 2. Donc, dans l'exercice 2, on va considérer l'algorithme ci-dessous. On va le faire tourner et compléter les tables d'occupation mémoire. Donc, ici, j'ai un algorithme qui s'appelle pointeur. Dans la partie variable, j'ai déclaré trois variables du type entier et j'ai déclaré trois variables pointeur sur entier. Donc, ici, on a deux tableaux à remplir. Le premier, suite à la partie 1, donc suite à l'exécution de la partie 1. Et le deuxième, donc on va le remplir suite à l'exécution de la partie 2. Donc, ici, partie 1. Donc, remarquez, déjà, en exécutant, en tournant cet algorithme, tout d'abord, lorsque j'exécute donc ces deux lignes, la partie déclaration de variable, donc le système d'exploitation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réserver de l'espace mémoire dans la mémoire. Donc, j'ai déclaré A, B, C des entiers. Donc, il a déclaré, il a réservé en mémoire donc de l'espace mémoire pour ces variables A, B, C. Le A, B, C, ce sont les identificateurs de mes variables. Et donc, il retient l'adresse mémoire de chaque variable. Donc, A se trouve à l'adresse mémoire 1000, B se trouve à l'adresse mémoire 1004, C à l'adresse mémoire 1008. Suite à cette instruction, donc j'ai déclaré aussi trois variables de type pointeur. Donc voilà, mes variables PX, PY, PZ se trouvent dans la mémoire. Donc, PX se trouve à l'adresse 1012, PY à l'adresse 1014 et PZ à l'adresse 1016. D'accord? Donc ça, c'est suite à, à l'exécution de ces deux lignes. Maintenant, on va commencer suite à la partie 1. Donc, je vais affecter à A la valeur 4. Voilà. Donc, je vais affecter à A la valeur 4. Donc, ici, qu'est-ce que je vais trouver dans mon tableau? Donc, A, elle aura comme valeur 4. J'affecte à B 12. Donc, j'aurai comme valeur pour B 12. J'affecte à C 23. Donc, C, elle aura comme valeur 23. Vous remarquez bien, je suis en train, suite aux affectations, je suis en train de mettre à jour mes valeurs. Ce n'est pas mes adresses mémoire. Les adresses mémoire, je ne touche pas. D'accord? C'est le système d'exploitation qui a attribué ces adresses mémoire. D'accord? C'est lui qui a assuré l'allocation de la mémoire. Donc, c'est lui qui a donné ses adresses. Moi, je touche que les valeurs, c'est-à-dire le contenu de mes variables. Suite à cette instruction, PX reçoit adresse de A. Donc, puisque PX, PY et PZ, ce sont des variables pointeurs, certainement, leurs valeurs seront un peu spéciales, qui sont des adresses. Donc, la valeur, c'est une adresse mémoire. PX reçoit l'adresse de A. Donc, je vais chercher quelle est l'adresse de A, c'est 1000. Donc, la valeur de PX, c'est une adresse mémoire qui est 1000. Maintenant, PY reçoit adresse de B. Donc, je vais chercher B. Donc, l'adresse, c'est 1004. Donc, la valeur ici de PY, c'est 1004. PZ reçoit l'adresse de C. PZ reçoit PY. Donc, PZ reçoit PY. Donc, qu'est-ce que ça veut dire PZ reçoit PY? Est-ce que je suis en train de mettre une adresse d'une variable simple dans PZ? Non. J'ai affecté le contenu d'un pointeur à un autre. C'est normal. Le contenu d'un pointeur, c'est une adresse. Donc, et celui-là, c'est un pointeur. Donc, son contenu, c'est une adresse. Donc, je suis en train d'affecter une adresse à un pointeur. Donc, c'est légal et c'est faisable. Donc, PZ reçoit PY, c'est-à-dire, je vais changer la valeur de PZ, ou si jamais j'ai une valeur, hein, mais sinon, je vais mettre une valeur dans PZ, affecter une valeur à PZ, qui est la valeur contenue dans PY. Donc, la valeur de PY, c'est 1004, je vais la mettre dans PZ. Qu'est-ce que ça veut dire PY égale 1004 et PZ égale 1004? C'est-à-dire les deux pointeurs PY et PZ, les deux, donc, pointent sur la variable B.
les deux, ils pointent sur B. Donc, faites attention, ici, PZ reçoit PY. Donc, je ne vais pas mettre 1014 ici. 1014, c'est l'adresse de PZ. Et de cette façon, il sera un pointeur sur un pointeur. D'accord? Donc, ici, la valeur de PY, ce qui est 1004, c'est la valeur, ce n'est pas l'adresse de PY. La valeur de PY, je vais la mettre dans PZ. Et comme ça, j'aurai deux pointeurs qui pointent sur la même variable. C'est bon? Donc, la partie 2 maintenant. Donc, la partie 2, j'ai PX chapeau. C'est qui PX chapeau? Donc, je dois chercher mon PX. Oui. Madame, je ne sais pas si je vais comment tu as fait 1014. Ben. Honi, PZ reçoit PY. Est-ce que j'ai dit PZ reçoit l'adresse de PY? Non. Kenjit, PZ reçoit l'adresse de PY. Quoi? Je ne sais pas si les pointeurs. Pointeur ou affiche des adresses, mon état. Le chapeau, t'as le pointeur. Où est la valeur? Voilà. Mm-hmm. Donc, et ici. Non, mais c'est ça aussi. Et Y, c'est un pointeur ou elle l'est? Oui. Donc, la valeur, c'est où est le PY? C'est une adresse. Haka ou elle l'est? Quel que soit 1004, c'est une adresse. D'accord? Donc, je peux affecter le contenu d'un pointeur à un autre. Donc, on dit que PZ reçoit PY, maintenant, on a la valeur de PY. Donc, je cherche PY. OK? On met 1004. La valeur 1004, la valeur est que je mets ici. Après, كان حطيت انا هنا ادريس دو بي اي غريك بي زد رسوا ادريس دو بي اي غريك راني حطيت 1014 هنا مي بويسكو ما عنديش ادريس ما نحطش لادريس هادي نحط لا فالور داكور هوني في بي اكس علاش حطيت ادريس دو ا خاطر ما انت علاش حطيت 1000 مثلا في بي اكس خاطر لقيت ادريس دو ا بون تقولي انت وكان لقيت ا كان لقيت ا ما تمشيش غلطه خاطر الا الفالور نتاعها سيت ان اونتيي ما نجمش نحط ماهيش اون ادريس ما تنجمش تكون معناتها فالور اي فهمتك معناتها ما تنجمش هي محطوطه في الفالور هي اون ادريس هذه سيت اون ادريس وي منين جبتها من هوني بي اكس رسوا لادريس دو ا دونك جو في شيرشي هوني في التابلو نتاعي الفاريابل ا L'adresse mémoire m'taha c'est 1000. Donc, je vais mettre ici. D'accord? D'accord, merci. Voilà. Donc, tawabad, on a rempli ce tableau. Donc, on va travailler un peu sur les chapeaux. Donc, PX chapeau. Je connais PX chapeau. Je vais chercher qui est PX chapeau. Pour savoir je connais PX chapeau, je dois me retourner au tableau. Donc, je cherche PX. Donc, je compte PX et là, une valeur 1000. Donc, 1000, qu'est-ce que je veux dire par PX chapeau? C'est la valeur de la variable pointée par PX. Donc, la variable pointée par PX, elle se trouve à l'adresse 1000. Je dois chercher dans la mémoire l'adresse 1000. C'est ça, l'adresse 1000. Donc, la valeur de la variable pointée par l'adresse 1000, c'est 4. D'accord? Heavy, la valeur heavy. Donc, enfin, je suis en train de parler de la variable A qui est pointée par PX. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Cette valeur, je vais l'écraser. Pourquoi? Khatr, amaltaleha affectation. Il y a une affectation sur PX chapeau. Donc, la valeur pointée par PX, elle va devenir PX chapeau plus 2. Donc, PX chapeau plus 2, donc c'est l'ancienne valeur, il y a 4 plus 2, donc ça devient 6. Donc, l'instruction PX chapeau reçoit PX chapeau plus 2, donc elle va me donner la valeur 6 pour la variable A. Ça va? Maintenant,
PY chapeau reçoit PY chapeau plus 1. En fait, PY chapeau, c'est qui? Donc, c'est la variable pointée par PY. Je connais la variable pointée par PY. Donc, je cherche la valeur de PY, c'est 1004. Je vais chercher dans la mémoire la valeur 1004, c'est ça, 1004. D'accord? Donc, 1004, donc c'est la variable B. Maintenant, en fait, cette équation, elle est, cette instruction, pardon, elle est équivalente à écrire B, donc affectation B plus 1. D'accord? C'est équivalent. PY chapeau, et en fait, c'est B. Voilà. Donc, là, suite à cette instruction, donc B, qui était 12, elle va devenir 13. Voilà, c'est clair. Donc maintenant, je vais utiliser C reçoit C plus 3. Donc ici, j'ai pas utilisé la notation pointeur. Donc une instruction simple. C reçoit C plus 3. Donc pourquoi j'ai pas utilisé la notation pointeur? Parce que en fait, j'ai pas de pointeur qui pointe sur C jusque-là. Hein? Donc C donc reçoit C plus 3. C, elle était la valeur. Sa valeur était 23, elle passe à 26, c'est 23 plus 3. Et puis, comme dernière instruction, j'ai PZ, PZ qui pointait sur la variable qui se trouve à l'adresse 1004, LILB, d'accord? Je vais le modifier maintenant. Elle va pointer sur l'adresse de C. Donc, ici, PZ qui était 1004, elle va avoir la valeur adresse de C qui est 1008. Donc ici, voilà, donc PZ, elle est 1008. Et puisque je n'ai pas touché PX et PY, leur valeur, elle reste 1000, 1004. D'accord? Donc je n'ai pas modifié PX et PY. Mais PZ, je l'ai modifié par cette instruction. D'accord? Et vous remarquez bien ici que on a modifié uniquement les valeurs de mes variables, qu'elles soient des variables simples ou variables pointeurs. Uniquement leurs valeurs ont changé. Par contre, leurs adresses mémoire ne changent pas. Ça va? Allez-y. Donc, on passe à l'exercice 3. Donc, dans cet exercice 3, il nous demande de créer un algorithme qui permet de remplir un tableau de 50 entiers. Donc, on va assurer le remplissage d'un tableau, de calculer et afficher la somme de ces éléments. Donc, on va calculer et afficher la somme des éléments de mon tableau, et puis d'inverser le tableau et d'afficher le résultat. Jusque-là, tout est joli, mais en utilisant la notation pointeur. D'accord? Tout l'énoncé, c'est correct. Donc, on fait le remplissage d'un tableau. On fait le calcul de la somme et l'affichage, et puis on va inverser un tableau et afficher le tableau donc à l'envers. Et puis, mais ce n'est pas de la manière ordinaire dont on a utilisé, ça fait longtemps, mais cette fois-ci en utilisant la notation pointeur. Et l'objectif de cet exercice, c'est de pratiquer ou de maîtriser en fait la notation pointeur sur tableau. Donc, en fait, j'ajoute quelque chose. Donc, je répète, dans le cours, on a dit, lorsqu'on déclare un tableau T, par exemple, d'accord? Donc, T est lui-même cet identificateur. Donc, T, c'est un pointeur. C'est un pointeur constant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un pointeur constant? T, c'est l'équivalent, en fait, de adresse de T de 1. Ça, dans l'algorithmique, hein, adresse, pardon. Mais en programmation, c'est l'adresse de T de 0. Donc, puisqu'on commence par 0. Donc, T, c'est adresse de T de 1. Voilà. T. Plus, donc T plus I, c'est équivalent
et plus i, c'est équivalent à quoi? À adresse de t de i plus 1. Voilà. D'accord? Lorsque je parle de t, donc je parle d'une adresse. B. Donc, t, maintenant, t chapeau, c'est équivalent à t de 1. La valeur, maintenant, t de 1. T chapeau, c'est équivalent. B. Maintenant, c'est t plus i, le tout chapeau. C'est équivalent à écrire donc t de i plus 1. Ok, je parle de valeur ici. Donc, dans ces deux expressions, je parle d'adresse. Donc, avec ces deux expressions, je parle de valeur. C'est clair. Allez-y. Donc, on va écrire algorithme tableau. Donc, ça, c'est un. Donc, c'est un rappel. Rappel. Donc, soit t un tableau. Donc, soit t un tableau. T équivalent, c'est l'adresse du t de 1. Maintenant, ce qu'elle n'aime écrire t, il va m'afficher l'adresse du premier élément. D'accord? Donc, si je fais écrire T chapeau, il va m'afficher le contenu, la valeur du premier élément. Donc, algorithme tableau. Donc, je vais déclarer une constante n égale 50. Dans la partie type, je vais déclarer un tableau de 1 jusqu'à 50 d'entier. Donc, de 1 jusqu'à n ici. Voilà. Dans la partie variable, je vais déclarer tab, qui est un tableau, n, a, u, x, et somme, ce sont des entiers. D'accord? Donc, n, ça ne sert à rien, puisque j'ai le nombre d'éléments de mon tableau, ce sont 50, c'est une constante. Donc, a, u, x, somme et entier. Donc, je vais faire le remplissage de mon tableau en utilisant la notation. Donc, pointeur. Ici, j'ai initialisé la variable somme à 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais sommer donc, la somme des éléments donc, en faisant le remplissage. À chaque fois que je fais le remplissage d'un élément, je vais l'ajouter à la variable somme. Donc, je fais le remplissage et en même temps, je suis en train de faire la calcul de la somme de mes éléments. Donc, ici, puisque je vais adopter la notation pointeur, donc, je vais faire pour i de 0 à n moins 1 faire. D'habitude, lorsqu'on a travaillé avec les tableaux, on a utilisé pour i de 1 à n. Donc, ici, je vais commencer par 0. Pourquoi? Parce que ici, regardez, je vais mettre écrire, saisir i plus 1 élément. Le i plus 1, im élément. D'accord? Composante, l'élément du tableau. Donc, composante du tableau. Voilà, élément. Donc, ici, pour 0, il va me dire déjà saisir le premier élément du tableau. Donc, qu'est-ce que je vais lire? Lire tab plus i, chapeau. Je vais lire une valeur. Puisque je vais lire une valeur, je vais lire tab plus i, le tout chapeau. Donc, ici, si je vais commencer par 1, je vais sauter donc, la première composante. C'est pour ça, tab plus i, je dois commencer par 0. I égale 0. D'accord? Donc, c'est pour ça, pour i de 0 à n moins 1, je vais écrire, donner l'élément i plus 1, lire tab plus i, chapeau, et dans somme, je vais affecter à somme
l'ancienne valeur de somme plus tab plus i chapeau qui est la nouvelle valeur lue au clavier. Et fin pour. Donc ici, je vais écrire la somme, elle est égale à la variable somme. Donc, puisque je viens de calculer la somme. Maintenant, donc ça, c'est la partie remplissage. Donc ici, c'est remplissage plus calcul de la somme. Ici, c'est la partie, donc inversion du tableau. Donc, inversion du tableau. Donc, pour inverser un tableau, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour inverser le tableau, on va considérer donc, la moitié de mon tableau et je vais faire la permutation du premier élément avec le dernier et puis du deuxième avec l'avant-dernier et ensuite le troisième avec l'avant-avant-dernier jusqu'à arriver à la moitié. Donc, si jamais je prends un exemple, par exemple, insertion, un tableau, par exemple, j'ai fait le remplissage donc d'un tableau de 4 éléments. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je considère le premier élément et le dernier et je les permute. Et puis, je considère l'élément 2 et l'élément avant-dernier et je les permute. Et c'est bon, j'ai atteint la moitié de mon tableau. Si jamais, donc, j'ai un tableau avec un nombre impair, puisque je suis en train de travailler avec div, par exemple, si jamais j'avais 5 éléments, donc insertion, je vais insérer des colonnes à gauche. Donc, par exemple, voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 éléments maintenant. Donc, je considère le premier avec le dernier, je le permute. Le deuxième avec l'avant-dernier et je permute. Et puis, donc, je ne vais pas considérer cet élément médian. Donc, ça va rester inchangé puisqu'il s'agit d'un tableau dont nombre d'éléments est impair. Donc, je m'arrête ici. Donc, puisque je travaille de 0 à n div 2. Donc, ici, n c'est 5, n div 2 c'est 2. D'accord? Donc, voilà. Allez-y. Donc, pour i de 0 à n div 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer une variable auxiliaire. Je vais mettre mon élément tab plus i, chapeau. Donc, la valeur de l'élément tab plus i, chapeau. Donc, en commençant de 0, donc je prends le premier élément qui est tab, chapeau, c'est le premier élément. Donc, je le mets dans une variable auxiliaire. Donc, maintenant, dans cette cellule, tab plus i chapeau, elle va contenir tab plus n moins 1 moins i chapeau, qui est le dernier. Lorsque i égale 0, c'est tab plus n moins i chapeau. Tab plus n moins 1 chapeau, lorsque i égale 0, c'est égal à 8. D'accord? Puisque tab plus n moins 1, c'est en fait tab de n entre crochets. Si je passe à la notation, ce n'est pas la notation en fait, c'est la notation ordinaire. Donc, la notation pointeur tab plus n moins 1, c'est équivalent à tab de n, donc dans la notation ordinaire du tableau. Donc, et puis, je vais considérer cette variable, tab plus n moins 1 moins i chapeau, elle va recevoir la valeur AUX. Donc, pour faire la permutation. Donc, ici, pardon, donc pour i de 0 à n div 2, moins 1. D'accord? Parce que, en fait, je ferai, si n, elle est égale à 5, n div 2, c'est 2. Je ne vais pas prendre 0, 1 et 2. D'accord? 0, 1 uniquement. Donc, n div 2 moins 1. N
div 2 moins 1. Allez-y. Voilà. Donc, comme ça, on aura un tableau donc inversé et on va écrire affichage du nouveau tableau pour i de 0 à n moins 1, faire écrire tab plus i chapeau, donc virgule, un espace pour séparer les éléments de mon tableau juste pour le côté esthétique ou affichage de mon tableau. Donc, tab plus i, le tout chapeau. Donc, elle est équivalente à dans la notation ordinaire. Donc, tab entre crochets de i. D'accord? Voilà. Donc, ici, juste à la différence, on commence à 0 et on termine à n-1. Parce que, en fait, lorsque je parle de tab uniquement, je parle du premier élément. Donc, tab chapeau, je parle du premier élément de mon tableau. C'est pour ça, plus i. I, elle doit commencer par 0. D'accord? Voilà, donc c'est l'exercice droit. Et puis, donc, on est arrivé à l'exercice 4. Donc, on a déjà corrigé. Donc, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions à poser, vas-y. Merci, madame. Ça va, c'est clair? Oui, madame, ça va. Oui. Ok, donc, merci à vous et bon appétit et à la prochaine. Merci. Madame Tabatine, la correction. Elle correction dans le classroom. Ok. Ok, allez. Bye bye.